Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah oh ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais non! Attendez, je vais dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, écoute. Mais non, c'est pas ça. J'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus une fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de mais dire. Non! J'avais 33 ans de retard. Oui, alors. mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais... Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez prénatal. N'allez pas chez prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, elle a très mal compris la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, c'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Ben d'accord. Qu'est-ce qu'on dit à la dame qui vous a amené les fesses sur un plateau? Merci, madame.